come now. Surely we can be friends. I know so much about you. I love you. Look at everything I've done for you. You'd be nothing without me. Why don't you answer me? I bet you're busy talking to some fucking slut. Fucking skank. Is she hotter than me? Would you fuck me? Are you gay? Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour un épisode sur Belgique Profonde. Et oui, c'est vrai que ça faisait un moment que je n'avais plus joué sur Belgique Profonde. Donc, il faudrait que j'arrête de dire donc, parce que je me rends compte que je le dis quand même beaucoup de fois. Je le dis quand même énormément de fois, donc il faut que j'arrête absolument de dire donc. Ça va être compliqué, mais je vais essayer. Bon, bref. Donc voilà ce qui s'est passé, je viens de charger la partie, je suis carrément dégoûté. Vous pouvez voir, hein, mes ballots, tout s'est cassé la gueule, ce que j'avais commencé à ranger. Donc c'est pour ça que sur un coup de tête, j'ai vendu tout ce qui pouvait me servir à faire du foin. Donc je n'en ferai pas, je vais continuer avec mon auto-chargeuse, ma Krone Big M, et encore j'ai d'autres modes. Donc d'ailleurs ce qu'on va faire, on va vendre tout ça, parce que franchement ça m'a saoulé, quoi, c'est bon. Je me suis embêté à faire... des bottes pour bien les ranger et tout, il y a tout qui se casse la gueule, donc si c'est pour que ça soit comme ça à chaque fois que je charge une partie, c'est bon quoi, il y en a marre on va dire. Donc j'allais nouveau dire donc, je vais une fois regarder un petit peu ce qu'on a comme tracteur et je pense qu'on va faire, on va déjà commencer par voir qu'est-ce qu'on doit faire. Qu'est-ce qu'on doit faire? Un petit peu les remorques qu'on a. Donc on a deux Renault Premium. Ok. Bon, déjà, on va faire... Ok. Alors déjà, ce qui est clair, ce qu'on va faire, ces deux remorques Caterpillar, là. Où est-ce qu'elles sont? Là. Allez, celle-là, elle dégage. Ensuite, on va aller dans Échappe... On va réinitialiser. Où il est le Renault? Renault Premium. Voilà, va là-bas. Ce que je vais vendre à Renault. Vous allez voir pourquoi. Alors maintenant, je sais pas. J'ai cette machine pour faucher. Mais je vais vous montrer un mode que j'ai. J'ai modifié la capacité, je vous l'avoue. Et je pense que on va peut-être l'acheter. Alors je crois que c'est dans le tracteur. J'ai bien dit je crois. Parce que la dernière fois que je l'ai vu, c'était là-dedans. À moins que j'ai de nouveau rêvé. Non, c'est pas là-dedans. C'est dans outillage pour nourriture. Non. Alors ça c'est sympa là. Le Scania P420 mixeur. Donc c'est un camion en fait. Et vous faites votre mélange dedans. Donc c'est pas mal. Ça remplace la mélangeuse. Outillage pour balles. C'est pas là-dedans. C'est dans outillage pour fauchage. Faucheuse, ça doit être là-dedans. Oh putain, où est-ce qu'elle est cette cône? Bon ben, ça doit être dans divers. Non. Autochargeuse. Non plus. Ben, ça tombe bien parce qu'on va acheter celle-là là pour ramasser la paille. C'est... Putain, c'est dans quoi que je l'ai mis? Dans divers? Enfin, non, c'est pas moi qui l'ai mis, bien sûr. C'est... ça se place tout seul. Là, j'ai une remorque à eau. Une grosse remorque à eau. On va également acheter ça. Attendez voir. Un Renault Magnum, vous allez comprendre pourquoi. Mercedes, on s'en fout du Mercedes. Ça peut être dans moissonneuse alors ? Ça m'étonnerait même pas que ça soit dans moissonneuse. J'ai également téléchargé là, une toute dernière. On va prendre une autre moissonneuse aussi, ça c'est sûr. Attendez voir. Ah, là voilà, la Krone Bigel 500 prototype V2. Donc en fait, l'avantage, c'est que bah, moi je l'ai modifiée, elle fait 150 000 litres.
gain de récolte sur 4 mètres. Mais vous allez voir que c'est une super machine. Donc maintenant retournons voir dans... Putain, je suis con, dans P... Possession, s'il vous plaît. Donc on en profite dans cet épisode. Maintenant je dis plus le numéro des épisodes. Je le marquerai dans... Je le marquerai tout simplement quand je ferai le montage vidéo. Mais là je ne le dis plus parce qu'en fait je me rends compte que des fois je dis des incohérences. Je dis épisode 51 alors qu'en réalité c'est l'épisode 49 ou 50. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi de raconter des trucs comme ça, ça me dérange un petit peu. Voilà. Donc c'est pour ça que maintenant je ne dis plus le numéro des épisodes. Alors je fais deux choses en même temps. Qu'une profile 1880. En fait celle-là nous servait à quoi cette machine? Bah écoutez, on va la vendre. Les bottes de paille qui traînent, on les mettra dans la mélangeuse. D'accord, voilà. La Crown Big M, on le vend. En fait, je fais deux choses en même temps. Pourquoi? C'est parce que en même temps que je suis sur le PC, j'ai l'Xbox à côté de moi qui tourne. Et j'avance en même temps dans notre carrière suivie sur console, en fait, pour faire des sous. Hein, c'est tout ce que je fais. Réservoir mobile à carburant, ça, pour le moment, on peut garder. Orch Maestro, pour l'instant, on peut garder. Celle-là, l'ensileuse, je sais pas si je vais la garder par la suite. Citerne Aleph Arabelle. Alors celle-là, je vais la modifier, je vais augmenter sa capacité. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois faire des allers-retours, c'est un petit peu une perte de temps. 600... La S650, les amis, je la vends. Voilà. Donc tout ce qui est là, on garde. Donc maintenant... Ici, on a juste l'ensileuse en fait. Donc là, on a le Steyr. Okay. Je vais juste virer l'aide. Voilà. Juste. Je vais prendre un tracteur au pied. Je vais le démarrer parce que j'ai peur que j'ai pas de son. Ah, si, c'est bon. Celui-là, je vais le garder. Celui-là, bosser au chargeur frontal. On va te garder pour le moment. Eh oui, toi, t'as toujours soif comme d'habitude. Donc là, on a un Renault Magnum. Ici, on a un tracteur au semi. Ici, on a celui-là là, qui est là. Là, on a la S690i. Le Steyr. Le gros Caterpillar. Ok. Enfin, le gros, le Caterpillar chargeur. On a donc le tracteur au semi de maïs. Là, on a notre Renault. Et là, on commence... Je sais ce que j'ai oublié. C'est dans mode, hein, s'il te plaît. Tracteur, moissonneuse, benne basculante, voilà. Où as-tu la Crampe Bandit SB? Voilà. C'est parti. Oula. Les reculoirs. On va augmenter le S-limiteur en marche arrière. Allez, on est parti. Donc l'intérieur de ce Renault, je dois vous avouer que franchement, il y a pire. Honnêtement, il y a vraiment pire. Il n'est pas dégueulasse. L'extérieur ça va encore. Bon, il est rouge comme la remorque, mais sinon c'est vrai qu'il est vraiment pas trop dégueulasse ce Renault. Donc attendez voir, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Toi, on va aller te... Oh merde alors. On va aller, je vais prendre le volant, ça sera peut-être plus facile. On va aller te stocker à la grande exploitation. Comme ça on est tranquille, on est débarrassé. Il nous fera pas chier sur place. Voilà. Petite vue extérieure que vous voyez un petit peu. C'est sympa. Alors, je vais avancer ce putain de tracteur sur ma console. Voilà. Démerde-toi. Alors, maintenant je peux reprendre mon clavier. Voilà. Ok, alors maintenant on va réfléchir un petit peu où est-ce que, comment on va ranger nos matériels. Moi je pense que les remorques, on va les mettre dans ce coin là. Allez, recule Renault, tu peux le faire. Voilà.
Donc je vous avouerai que pour moi il n'est pas aussi bien fait que le Renault Premium. Ça, je vous l'avoue. Déjà il est vachement plus lent, ça me... C'est chiant, mais ça peut être bien dans certaines circonstances, on va dire. Allez, recule. Même si t'es pas droit, je m'en fous. Voilà. Alors, toi. Oui, donc effectivement, j'ai modifié la capacité pardon, de cette machine. Parce que tout simplement, je vais vous avouer une chose. C'est que ça me faisait... c'était un peu chiant, même en étant solo, de devoir mettre le Follow Me. Donc c'est pour ça que j'ai volontairement trouvé cette machine et qu'elle faisait 33 000 litres à la base. Et je l'ai augmenté, je l'ai mis à 100 000 litres. Alors ça fait peut-être pas réaliste, j'en suis conscient. Mais bon, au moins, je ne perdrai pas de temps au niveau des transports et tout ça. Et puis bon, faut dire que c'est sympa comme machine. Ça change un petit peu de... toujours voir la même chose et puis comme ça vous vous permet de voir un petit peu autre chose tout simplement. Ok, toi t'es garé. Et toi le 80-90 Steyr, très bon tracteur. Il faut que je pense à modifier cette citerne à lait. Comme ça, ça me fera gagner du temps. Alors maintenant on va. Qu'est-ce qu'on a là? La classe cargo. Ici on a quoi? La remorque à eau. Ici on a. Bon, c'est tout. Donc ce qu'on va faire là, cet épisode, on va vraiment, enfin moi personnellement, je vais vraiment me servir de cet épisode pour faire du rangement. Et je vais vous montrer une petite surprise à la fin. Enfin, vous connaissez peut-être, c'est pas forcément sûr que vous le connaissez. Moi, je sais que c'est sorti il y a vraiment pas longtemps. Donc vous ne le connaissez peut-être pas. Et je vais vous montrer ça tout à l'heure. Alors, ici on a quoi? Attendez voir. On a la benne 2 heures, la citerne à fuel. Ok. Donc aussi j'ai téléchargé la V2 de l'enrouleur d'irrigation. Donc je ne l'ai pas encore testé. Hein. Apparemment il y a pas mal de choses qui changent. Donc on testera ça, ne vous en faites pas. Maintenant, je vais réfléchir un petit peu. Déjà accrocher ça. Le problème c'est que maintenant j'ai trop de bâtiments, je sais pas où ranger. Donc je pense que là-dedans, dans ce bâtiment, on va ranger ce qu'on se servirait souvent. Donc auto-chargeuse pour la paille, citerne d'eau, citerne à eau pour les animaux. Voilà. Attends, on va reculer. Toi t'es dedans. Parfait. Donc un petit peu lent au démarrage. Et putain ouais, il me faut de la paille absolument. Parce que là ça commence à être critique. Vous en faites pas, on va s'en faire. Voilà. Donc remorque vachement sympathique, c'est quelle touche, c'est ça? Bon c'est ça. Voilà. Vraiment, vraiment sympathique cette remorque à aller. Et je me demande si ce tracteur je vais pas le virer juste parce qu'il avance pas en fait. Alors là par contre, j'espère que le tracteur va tirer encore. Parce que c'est aussi une modifiée. On va tester ça. Parce que là, on ne remplira pas encore. Voilà. Ok, ça c'est fait. Le 6006, on le virera. Donc, alors attendez, maintenant je vais juste voir un petit peu la mélangeuse, ce que ça donne là. Alors, mélange total 60%, fourrage en silé, on a 24, 25, paille 40. Ok. Il me semble même que, sans le faire exprès, j'ai un mode où je pourrais même décharger le mélange total par terre. Sans faire exprès. Donc, retournons là-dedans. Alors, toi, il me semble que tu as terminé l'épandage. Alors, attendez, voilà, Y... Allez. Mais voilà la marche avant mon gros. Ouais, il me semble que j'ai terminé l'épandage avec celui-là. J'ai tout fait, je crois. Attendez voir. Je suis où là? Ah, je suis là, ok. Ouais, bon, bref, j'ai plus ou moins tout épandu. Donc, on va aller
ranger cet engin. On va ranger la cuve à lisier. On va également mettre le plein de gasoil dans le tracteur. Parce que finalement, j'ai quand même bouffé pas mal de gasoil et ça fait un bon moment. Je vous avouerai que je roule avec. Donc attendez voir là, je regarde juste un petit truc là. Oh, t'as fini de semer toi, c'est bien. Maintenant, je réfléchis à autre chose. Attends, je te range où toi, tonneau à lisier. Je te mets pas dans ce bâtiment là. Dans le bâtiment derrière là-bas, je pourrais te mettre, ouais. Sinon, je peux te foutre. Non, alors ce qu'on va faire, je pense que ce que nous allons faire, c'est que on va faire un petit peu par logique, c'est-à-dire on va mettre le matériel qu'on se sert le plus à portée de main et le matos qu'on se sert le moins, on va le ranger aux endroits un peu plus compliqués. Donc par exemple, voilà le pichon là. On s'en sert moins, donc je vais foutre le tonneau à lisier à côté. La citerne. En fait, ici, on va mettre ce qui concerne plus ou moins l'épandage. Ok, ouais, on va faire ça comme ça. Alors maintenant, il faut que je mette l'inverseur, ça sera un peu mieux. Et on va tenter de le faire reculer. Ça, c'est encore une autre affaire. Est-ce que maintenant je vais réussir à rentrer? On va voir ça. J'ai envie de vous dire que théoriquement oui. Mais la théorie et la pratique, c'est toujours autre chose. Putain, facile, vous avez vu ça? Franchement, je mets pas des fois du rangement. Alors, toi tu vas aller à côté, hein, comme ça c'est réglé, on va pas se casser la tête. Allez, marche arrière mon gros. Comme ça me permet de voir un petit peu. L'inspecteur est quand même bien, même quand vous êtes seul, hein, parce que vous voyez vraiment. Alors attends, je veux pas que t'ailles trop loin. Voilà. Ah oui, c'est donc vrai. F1, c'est la touche A, c'est la touche V. Ok. F1, voilà. Donc celui-là, on va l'emmener au gasoil. Bon, faudra aussi que j'ai un Karcher, hein, faudra que je l'achète aussi. Et qu'un de ces quatre, il faudra qu'on s'occupe de nettoyer le tracteur là, parce que ça devient un petit peu le bordel. Gasoil, 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 tu es là. Hop. Remplis-toi. Le Renault, c'est pareil, on le ramène. Y a pas un tuyau par hasard là? On va tout de suite voir ça. Non, je crois pas. Cette cuve, on va pas aller la ramener trop loin parce que par rapport à ce que je vais vous parler, on en aura besoin. Théoriquement, on en aura besoin. Donc, on va voir ça. Bon, on va la mettre. On va mettre pour pas en avoir partout. Tout ce qui concerne le lisier. Et l'épandage, on va le mettre dans le bâtiment plaçable que j'ai rajouté là-bas. Comme ça, il y a la cuve qui va là-bas. Il y aura également la citerne verte là. Et ensuite, on sera pas mal. Oh putain, ça va passer ça. Ouais, c'est passé. Alors, le Renault, celui-là, ce qu'on va faire, je vais l'accrocher à la citerne de lait. Je me demande honnêtement si le Renault Magnum, je ne vais pas le vendre. Et mettre un de mes Renault après la remorque Cramp, que je vous avouerai que je trouve qu'elle est moche. Après, c'est mon simple avis. Ok, c'est parti. Le Renault, voilà, la citerne, elle est juste à côté. Parce que j'aimerais faire j'aimerais que cette carrière, en fait, cette ferme, ait le matériel qu'elle ait besoin, mais tout en restant pas bordélique. Vous voyez ce que je veux dire? Que ça reste pratique, fluide, etc. Quoi. Merde.
Ah ouais, vous voyez, la capacité a bien été modifiée parce que là on est à 39 000, ça veut dire qu'elle aurait été pleine. Alors qu'en réalité... Ah non, éteins-toi toi. C'est pas toi que je voulais, c'était toi. Il est levé le tuyau. Alors quelqu'un m'a demandé comment choper le tuyau. Tu t'approches quand tu vois ce clic, tu fais la touche clic gauche de ta souris. Tu arrives là et quand tu as le clic, tu recliques et c'est fait. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça peut paraître compliqué, mais c'est vraiment très très simple. Allez. Putain, il y en a du lisier dedans. Oh, ça fait rien. Ça ne fait rien. Après, niveau tracteur, on va voir ce qu'on va faire. Peut-être pour changer un peu les tracteurs, là, je sais pas encore. Déjà pour le semis et tout ça, on prendra un 7290, comme vous avez vu dans la ferme de tous les dangers. Oh là là. Comme vous avez vu dans la ferme de tous les dangers. Ça, par contre, j'ai pas l'impression que ça va passer. Allez, ça frotte un peu. Et ça devrait passer. C'est bon. On est passé. Alors, toi, on va te garer là. Voilà. Allez, on recule. Bon, même si c'est pas tout à fait droit. Alors, attends. Quelle touche je peux le descendre de nouveau? W. Alors ça, c'est pratique. De pouvoir le poser au sol, en fait. Ça vous permet vraiment de pouvoir le descendre, de le ranger tranquillement. Voilà. Toi, à quoi tu vas servir pour l'instant? Toi, pour l'instant, tu vas servir à rien. Donc, les tracteurs, je pense que maintenant, on va les ranger ici. Voilà, toi, t'es bien ici. Toi, on s'en fout. Toi, le petit Steyer, pour l'instant, tu sers pas à grand-chose. Toi, tu restes là. Bon, toi, à la base, t'étais au biogaz. Toi, t'es au semi, notre Renault. Donc, toi, c'est pareil. Je vais aller te ranger quelque part. Attention, les poules, je vous écrase. Tant pis, vous êtes mortes. Alors, le Renault, on va le ranger là-dedans. Finalement, je vais pas le vendre parce que... ça peut servir, hein. Les camions peuvent servir. Voilà. Ok, parfait, parfait. Toi, ben, on va vider un peu de lait si déjà on est là. Comme ça, on peut remplir la citerne qui est là-bas. Et on pourra tout simplement aller vite fait le vendre. Si déjà, ça sera toujours ça de prix. Je refais un tour. Toi aussi, c'est... Putain, t'es... Ah oui, c'est vrai, c'est très long à remplir. La preuve étant. Et je vous assure, il y a 120 tonnes là-dedans, les amis. D'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur ces 120 tonnes... sur la haie des Newtons, l'eau, vous devez la payer. Je vous assure que j'ai fait la gueule, que j'ai vu ce que ça m'a coûté. Et là-dessus, vous pouvez me croire. Alors, profitez de l'eau gratuite de la Belgique profonde. Hein, ça, je vous l'assure. Où il est le 6006. Je sais pas trop à quoi il va nous servir. Allez. Recule. Et au final... bah le Steyer, celui-là on le garde parce que on pourra curer le fumier avec. Vas-y, recule. Ce tracteur, je l'adore. Il est d'une maniabilité, les amis, terrible. Attendez voir. Toi, t'es plein. Toi, t'es bientôt plein. J'ai mis 50 000 litres dedans, théoriquement. Je vais refaire un petit récap vite fait de nos vaches. Pareil, ouais, il me reste plus rien. Surface battue, je m'en fous. Engrais liquide, engrais.
Presque 50 tonnes, auge, mélange, de l'herbe, la paille, ouais, la citerne de lait. Ok, 10 000 litres, oh, 54 000. Ouais, on n'est pas mauvais là. On n'est pas mauvais. Toi, est-ce que j'ai commencé déjà à semer? Franchement, je sais plus. Ah ouais, j'ai quand même commencé à semer. Hein. Donc là, je suis au champ 21 et 22, là. Ok, ouais. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va remonter dans le petit tailleur. Si je le retrouve. On va remplir notre cuve du camion. Et puis, on va aller semer un petit peu de maïs. Enfin, ça dépend, vu qu'on est déjà à 25 minutes de vidéo. Je sais pas, je vais faire des épisodes un petit peu moins longs, pardon. Je veux dire un peu moins courts. Un peu moins long, parce que c'est vrai que dans la ferme de tous les dangers, j'ai tendance à faire des épisodes vachement longs. Et c'est vrai que des épisodes longs, c'est bien, mais des fois, je me dis que ça peut souder. Et puis, un épisode de 30 minutes, comme je vous ai souvent dit, pour moi, c'est le bon compromis, pardon, entre, la capture, le montage et l'upload. C'est juste des fois, c'est juste des fois ce qu'il faut, 30 minutes. C'est pas trop... c'est bien, quoi. Ouais, genre, cette truc-là, on va lui mettre 50 000 litres dedans. En modifié. Comme ça, je sors tout en une fois, je mets tout dans le camion, je pars vendre et je suis tranquille. Toi, t'as toujours pas fini de remplir. Mon Dieu. Je voulais voir un truc... Déjà, lui, on va aller le ranger. Il a pas de raison qu'il traîne, hein, on va le ranger. Allez, mon grand, recul. Là-dedans, je sais pas. Là-dedans, je vais mettre... Si, je sais ce qu'on va faire pour nourrir. Je pense que je vais prendre le godet que j'ai dans la haie des Lutons de 50 tonnes, là. Ça fait peut-être pas trop réaliste. Je suis d'accord. Je vais où? Ah non, c'est bon. Ah, il est là, le godet. Mais pour nourrir, en fait, on va pas se faire chier. On va pas perdre de temps à nourrir avec... une mélangeuse, on va tout simplement nourrir avec la remorque de Lux Farm, la Chrome BBS 900. On va juste nourrir avec celle-là, on va pas se faire chier, se compliquer la vie avec une mélangeuse. Oh oh. Alors, le temps qu'il comprenne qu'il faut qu'il avance. Voilà. C'est vrai que ces tracteurs sont vraiment un peu longs à la détente, mais je pense que à l'heure actuelle sur Farming, vous ne trouverez pas un tracteur aussi bien modé que celui-là. Enfin, que cette gamme-là, bien sûr. Voilà, donc lui, il est plein. Lui, pour l'instant, je m'en fous. Toi, t'es rangé. Toi, tu es rangé. Toi, pour l'instant, reste où t'es. Toi, pareil. Toi, tu vas devoir semer. Devoir continuer de semer, du moins. Ok. Ouais. Bon, bah écoutez, les amis, nous, cet épisode, on s'est vraiment remis dans le bain de la Belgique profonde. Donc, je vais tourner encore un épisode plus tard dans la soirée, je pense. Donc, dans le prochain épisode, ce que je vais vous dire, on va déjà un petit peu parler de ce qu'on va faire. On va vendre le lait, ça c'est sûr. Donc moi, ce que je vais faire, je vais en profiter pour modifier la petite citerne à lait là. Ça sera déjà pas mal. Modifier cette citerne là. Comme ça, on perdra moins de temps à chaque fois à transvaser le lait. Je crois que j'ai rien d'autre à modifier, donc ça c'est bon. Donc dans le prochain épisode, ce qu'on va faire, on va vendre le lait. On ira semer le maïs, parce que pour faire un petit récap de ce qui a été semé, les grands champs, donc le 32, 30, 37, 36, 31, ça a été semé en blé et en orge, comme vous pouvez voir. Toute la partie champ, donc tout ce que vous voyez au milieu du le 18, 8, 17, enfin bref, tous les petits champs qui sont là, du 14 jusqu'au 15, là, ça c'est que de l'herbe que j'ai foutu dedans. Donc il y a vraiment que de l'herbe là-dedans, donc là on est pas mal. Donc c'est pour ça que le 33, 34, 35, ça va être foutu en maïs. Comme ça, je pourrais remplir mon maïs, un silo de maïs en silage. Et encore non, je veux même pas le remplir. Le maïs en silage qu'on va faire là, on le foutra au biogaz. Ça fera toujours de l'argent. Comme ça, on est tranquille.
Dans le champ 22-21, je pense qu'on va semer. On va y semer du colza. Ouais, on va semer du colza. Dans le champ 23-40-38, on va aller y foutre des betteraves. Ouais, on va faire des betteraves. Les champs qui restent, je vais les acheter. Là-dedans, on fera de betteraves, patates, ce genre de culture-là. Le champ 29 et 28, par contre, ces deux-là, on va les mettre en colza. Et le 27, on mettra en colza. Et puis cette zone qui est là, on va plus ou moins la zone en bas à droite, on fera plus ou moins de la betterave et des patates. Voilà. Donc, comme dit, là, c'était un petit récapitulatif pour que vous voyez ce qui a été semé. Donc, on sèmera notre maïs demain. On rangera le semoir, comme ça sera terminé. On continuera de semer nos blés, comme ça sera terminé aussi. Parce il me faut absolument de la paille. Ensuite, on achètera un semoir à betterave. Ben non, on en a déjà un, je suis con. À moins que pour gagner du temps pour les semis, je me demande si je vais peut-être pas. Je me demande si je vais peut-être quand même pas acheter. Putain, où est-ce qu'il est? Je me demande si je vais quand même pas acheter mon semoir de 1 mètre. Parce que c'est vrai que quand je suis seul, ça me fait gagner du temps. Je pense que je vais peut-être faire ça, hein, même si c'est pas trop réaliste. Je vais voir. Donc, en récapitulant maintenant, il faut qu'on sème nos champs de maïs le 35, 34, 33. Il faut qu'on sème le 21, le 22 et le 23. Il faut qu'on les sème en. Oh, je pense qu'on va y foutre du blé. Sur le 21, on va mettre de l'orge. Le 22, du blé. Le 23, on va mettre du colza. Voilà. Le 29, le 28, du colza. Le 38, le 40, le 27, betterave. Le 20, le 25 et le 39, des patates. Et le 26, qui a l'air d'avoir une forme assez bien, on va peut-être le foutre du colza. Et le 19, des patates. Voilà, comme ça tout sera semé, on sera tranquille. Donc comme dit, prochain épisode, on finit les semis de maïs et on continue ceux de blé. Comme ça sera fini. On achète du matos pour les betteraves, parce que j'ai une machine que je vais vous montrer. Et maintenant, avant de vous laisser, j'ai failli oublier, je vais vous montrer donc ce que je voulais vous parler. Putain, c'est dans quoi? Objet plaçable. Voilà. Une station plaçable de lisier et de fumier. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. On va en acheter une. Attendez, où est-ce qu'on est là? Là, on est ici. Alors, le problème, c'est que ces genres d'objets. Il faut trouver des champs qui sont vachement plats, quoi. Soit. Alors, attendez voir. Là, on est chez les trucs, là, ok. Comment on tourne? Ok, c'est comme ça. Donc, on peut le foutre ici. Là, ça m'a l'air pas trop mal. On a une entrée par là. On a une entrée par là. Ça gêne pas trop le matériel. Attendez voir. Je peux le tourner encore? C'est juste pour voir. Parce que si je le fous comme ça, le truc que j'ai qui me fait un peu chier, c'est que ça va me niquer mon passage. Et puis bon, ça va pas être pratique à cause de la barrière. Ou alors, hein, je condamne là, hein, un petit morceau là où il y a de l'herbe. Après, le problème, c'est que si on le place sur de l'herbe, l'herbe, quand elle va pousser, va passer à travers. Hein. Voilà. Ça faut le savoir aussi, mais je vois pas trop où est-ce qu'il y aurait du béton dans le coin. Bref, ça fait rien. Écoutez, je vais l'acheter, je vais le placer ici, je vais vous montrer vite fait avant de vous laisser. Voilà. Ok. Alors, je veux pas de toi. Je vais aller vous montrer vite fait, et puis on se laissera là. Bon, on peut le voir d'ici, hein. Donc je vais appuyer sur F1, mais je crois que ça sert à rien. En fait, ce mode-là, il te permet de. Si j'appuie sur la touche. C'est ça? Voilà. Sur la touche slash double point, en fait, ça vous fait un point comme ça. Et vous pouvez aller. Vous pouvez remplir dedans, en fait. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, voilà. Vous pouvez voir un petit peu.
Donc là, l'herbe a poussé, donc bon, ça fait un petit peu con, je suis d'accord avec vous, l'herbe qui passe à travers. Au pire des cas, on pourra la broyer. Donc c'est une station. Donc ça, c'est du solide. Par exemple, vous venez, on fait tac, et ici, là-dedans, on pourra bainer. Voilà, hop. Ok, bah écoutez, je vous ferai une petite présentation, il n'y a pas grand chose à présenter. Je le mets dans la Belgique profonde, comme ça vous pourrez voir un petit peu en fonctionnement comment ça marche. Voilà, donc moi je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Salut tout le monde!